Alors on quitte le camping pour une première petite balade sur le secteur. Donc là on va longer la Durance. Donc là on passe au-dessus du canal qui surplombe la Durance. Quand Strava te fait ton chemin et te dit qu'il y a un chemin, c'est qu'il y a un chemin. Enfin, finalement il y a un chemin, mais c'est quand même mieux et qui n'était pas forcément pris en compte à Strava. On va continuer comme ça, c'est mieux. Un petit chemin ombragé, c'est sympa. Il commence à faire chaud quand même. C'est ça, on démarre les montées là. Des beaux reliefs, t'as vu? Il y a les maisons juste en dessous là. Ça remonte après. Oui, c'est bien chaud. Hein. C'est bien chaud. 11h30. On est un peu long, mais le soleil tape bien. En tout cas, le secteur est sympa. Des beaux singles, des beaux passages dans les bois. C'est sûr qu'ici de la boue il n'y en a pas. Par contre les petits cailloux, ça fait bien glisser. Bon, on a décidé de raccourcir le parcours envisagé. On avance un peu dans le temps là, mais comme il était déporté du départ déjà, enfin du camping de départ. Les femmes après vont s'inquiéter, on risque de rentrer trop tard. Et comme il fait super chaud et que c'est tendu, on va tâcher de rentrer. Thank you.
2h30, un peu plus de 2h30, un petit peu plus de 40 km. Avec ce soleil là, il fait super chaud. Ah, il est 13h. Hein. Ah, ma soeur. Bon, on verra pour la prochaine balade ce qu'on fait.